Monsieur le Président de l'Assemblée, Monsieur le Wali, Monsieur le Secrétaire Général, Honorable Assistante, Azouf Lawan, salam alaikum. Donc, j'ai quelques questions à poser pour la direction des travaux publics. En un, je reviens encore une fois sur le projet inscrit en réalisation, ça fait des années, mais à ce jour, on ne sait pas où on est avec la réalisation de l'évêtement de la commune de Makouda qui va rendre d'énormes services et particulièrement en été à tous les usagers de la route nationale 72 qui mène de Tizi Ouzou à Tixirt par le pont de Bougie. En deux, il y a nécessité désenclaver tout un territoire par la réalisation d'une route qui va à partir de Zawiya, commune de Makouda, jusqu'à Tikoubain, en passant par Sahel, village Tarihant, commune de Boudjima. Une route facile à réaliser qui va rendre d'énormes services à tous les habitants de toutes ces localités. Toujours avec la direction des travaux publics, mais cette fois-ci, je tiens à saluer la direction des travaux publics pour tout l'effort qu'elle a déployé pour démarrer les travaux de réhabilitation de la route nationale 72, dans son Makouda Tixirt. Espérons seulement que les travaux soient réalisés dans les normes requises et dans les délais prescrits. Quatrième point pour la direction de l'environnement. Monsieur le Wali, j'ai posé plusieurs fois la même question, mais je n'ai jamais eu de réponse. Sur le sujet de la réalisation des centres d'enfouissement technique inscrits, ça fait plus d'une décennie à l'indicatif de notre wilaya. À ce jour, on ne connaît pas leur sort. On est justement avec leur réalisation. Merci pour votre attention. Sahaf Torko. Merci, M. Zadou.